You're gonna get I'm just trouble. Just doing no, my job, okay? Not here. It's, not here. Yeah, but I'm talking about move, please. You want me to call 911 on you? Yeah, sure. Yeah, sure, because yeah, they will because say that I will tell them that you got care. Me in your video. On the can video. You please? This is Native Plan, That's Montreal. This is that. The opioid crisis and the consumption of other drugs have become a significant issue here in Canada. In Quebec, an increasing number of people are using these substances, putting themselves at risk of overdose. Last week, it was revealed that the Quebec government has been dejudiciarized the drug possession since April 2023. Over a year ago, without informing the City of Montreal, social services, and the police. This decision by the Quebec government came a few months after the federal government, led by Trudeau, adopted Bill C-5. This bill emphasized treatment programs and other support services over criminal charges for simple drugs possession. The project that we have, that working with BC to decriminalize possession of harder drugs now. There was a lot of shouting about that, and it's a very politically polarizing issue still. And you can see the conservative leader doing videos about how bad that is. Do you feel like maybe we've gone too far, too fast on decrim and safe supply for the general public? Too fast? I think the fact is we needed to be ambitious in trying to solve this. It's not dejudiciariser. This is a French term that means that legal action is not recommended for possession and consumption for personal use, which is slightly different from the decriminalization approach seen in British Columbia. In Quebec, criminal charges can still be pursued if simple drug possession occurs in the presence of minors, while driving, in a violent context, in the presence of a weapon linked to a criminal group, or if there is a social security issue. According to the INSPQ, between April 2023 and March 2024, there were approximately 586 deaths related to suspected opioid or other drugs intoxication. Notably, there has been an increase in death among women. Today, I aim to explore the opinion of the general public, as well as the vulnerable population who consume these substances. And now let's hear what they have to say today. Ça dépend tout le temps des batchs, jamais pareil. Tant que la drogue sera pas contrôlée, on va avoir ce problème-là. Hein? Il y a des semaines qu'on va avoir plein, il y a d'autres semaines ça va être moins pire, c'est jamais pareil. Okay. Mais oui, avec la drogue que tu sais ce qu'il y a dedans, il va y avoir moins d'overdose parce que le monde va s'habituer à ces doses-là. Puis là, ben, c'est au système à s'habituer à ce que le monde, les opiacés, ils t'en foutent tout le temps plus. Ben là, c'est à s'ajuster. Il aurait dû prendre en compte l'opinion de la ville de Montréal et tout ça, avoir des discussions, faire des votes sur le sujet avant de voter, avant que ça se passe. Là. S'ils sont dans la bonne voie pour se rétablir, je pense que ça devrait être légal pour eux d'avoir la drogue qu'ils ont besoin pour le moment. On devrait pas tant investir là-dedans dans des centres de réinjection, je trouve. Oui, on dit que c'est des conditions meilleures, c'est plus en sécurité, on va dire, mais à la fin, ils ont quand même des addictions. Je trouve que ça aide les gens à juste continuer à prendre la drogue. Donc ça... Et s'il y a beaucoup de consommation de la drogue, je pense qu'on va vers le chaos. Mm-hmm. Je pense que ça va sauver des vies si on les poursuit. Si on le remet criminel. Effectivement, ça va sauver des vies. Parce que si on dit que la drogue est interdite, il ne faut pas prendre. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont prendre en cachette, mais ça ne va pas être comme. Ça va pas devenir comme quel genre. Comment je vais dire, c'est tout le monde ne va pas prendre la drogue. Dans le futur, il y aura beaucoup de fous, beaucoup de malades mentales. Well, if people don't have to feel like they have to break the law in order to get the things that they're addicted to, I suppose that would be a helpful thing. J'ai fait une puff de crystal meth, c'était bon. C'était pas de fentanyl. J'ai fait une overdose de deux semaines. Ils ont sauvé ma vie.
Mais des amis, t'en as pas dans le monde de la consommation. Ils vont essayer de te faire des overdoses, de te voler ton argent. C'est le prochain pas. Fait que les gens qui consomment, c'est une calice. Il y en a 3-4 là qui vont me sauter dessus parce que j'ai caisse de bière sur moi. Est-ce que, en fait, c'est sécuritaire le soir ici dans la rue à Montréal? Je viens de te dire, si, man, je dors 3-4 jours en 3 semaines, je me fais voler des paquets de cigarettes, faire un overdose de fentanyl sur la ruelle ici. Ils m'ont réanimé. J'étais bleu. Va demander à Sylvie. J'étais tellement content de tantôt, on s'est serré dans les bras, Sylvie. When it's criminalized and illegal and people are addicted, they're going to do whatever they can to get, and if that means committing crimes and maybe committing violent crime because their addiction leaves them in a state where they're not in their right mind and then they're bringing harm to others. Whereas if it's accessible and they don't have to commit crimes to get what they need in the meantime until they get healthy, that might keep violent crime down. Est-ce que vous aimeriez mieux qu'on vous aide en fait à arrêter d'en consommer au lieu de... Si on veut, on vous aide déjà à arrêter de consommer. Plus, c'est arrangé pour qu'on ne crève pas à cause que la dope n'est pas bonne. Pensez-vous que décriminaliser va en fait emmener les gens à plus consommer? Non. Il va y avoir un boom, c'est sûr. Il va y avoir un petit boom. Oui, il va y avoir un boom. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est la même chose que... Si on regarde le modèle du cannabis, là, il y a eu un petit 2-3 mois que les grands-mères puis les tantes qui ont jamais fumé de leur vie ont essayé. On a de la dope de marde. Le monde ne faut pas doser avec ce qu'il faut. Ils mettent plus d'argent. On se fait crosser par des vendeurs qui sont des esti-crosseurs. Puis il y a de la mauvaise drogue, c'est juste ce qu'il y a. Ouais. Il n'y a pas de bonne dope. Il n'y en a pas là. Il y a moins de morts. Il y a une augmentation de morts d'overdose. Ça, c'est le fentanyl. Mais ça, c'est à cause que c'est la dope de marde. Non, pas la dope de marde. C'est le gouvernement. Elle est trop forte. Fait que c'est pas tout le monde qui est chimiste. Mm-hmm. OK? Il y a du monde là, qui peut te faire emballer quelque chose, tu sauras même pas ce qu'il y a dedans, puis on va être 40, mais le gars est chimiste, bingo, c'est 6-40. Vous pensez que ça va sauver des vies? Ça va sauver beaucoup de frais. C'est dégueulasse. De frais ou de vie? Beaucoup de problèmes avec la société. Mais il y a une augmentation de consommation. Bien, pas si pire que ça. Je ne sais pas, ça s'est baissé. Oui, ça a augmenté, mais pendant le COVID. C'est à cause qu'on se fait enfermer. C'est pas à cause de la dope. C'est à cause qu'on se fait enfermer dans un cigarette-coin. Il n'y a rien qu'à ici. Quand tu n'as rien à faire. En voulez-vous au gouvernement pour ce qu'ils ont fait? Oui, moi, oui. J'ai perdu le contrôle de ma consommation. J'ai arrêté. La dernière journée que j'ai travaillé, c'est quand ils ont fermé les chantiers. Bien, là, ça n'a plus de bon sens. C'est les pauvres qui sont en train de mourir pour pouvoir. Là, la classe moyenne n'arrache au bout. Fait que là, la classe moyenne va devenir pauvre. Pensez-vous que là, ça va amener une augmentation de consommation, justement? Une augmentation de personnes dans la rue? Pas mal toutes les appels qui arrivent la main du monde qui consomme. Là. Il y en a d'autres, ça ne leur rend pas vraiment service et pour la société, ça peut être dangereux. Mm-hmm. C'est clair que ça ne sauve pas des vies, au contraire. Parce qu'on est d'accord que fumer, déjà, ce n'est pas bien pour la santé, quoique c'est un peu tabou comme sujet, mais pour moi, ça ne sauve pas des vies. On devrait un peu, je ne sais pas, faire un peu de police dessus, justement. Mm-hmm. Essayer de mettre des garde-fous. Ça reste de la politique, donc c'est sûr qu'il y a certains enjeux qui sont liés à ça. Et la question a été bien étudiée, mais personnellement, je crois que fonce dans un mur. Là. Mm-hmm. Et moi, je crois que ça, c'est encore pire, parce qu'on est dans un monde où on essaye d'aider les gens. Et justement, légaliser ça serait un peu comme les pousser un peu vers cette voie qui n'est pas très adaptée, en fait. Do you think it will save lives? No, I don't think it will save lives. Why would it save lives? I think it would, because there would be less criminality if you would legalize it. So les drogues dures. Alors moi je suis à moitié hollandais, mm-hmm. donc je connais un peu Amsterdam. Légaliser les drogues légères, ok. Mm-hmm. Dures, compliqué quand même. Mm-hmm. Les drogues dures, c'est des drogues dures, donc c'est écrit dedans. Donc je trouve pas que ce soit forcément une bonne idée. Maintenant, je connais pas le Québec, donc je sais pas. Pensez-vous que ça va aider, en fait, à sauver des vies? Non. Ben non, les drogues dures, non. Je reviens de San Francisco. À San Francisco, je sais pas que c'est légalisé, mais il y en a plein. Enfin, c'est horrible, quoi. Quand vous voyez les rues de San Francisco, c'est une catastrophe. Mm-hmm. J'y étais pas retourné depuis 15 ans. Ça fait peur, San Francisco, quoi. Et là, ils sont aux drogues dures, aux opioïdes, machin... Enfin, c'est catastrophique.
Je ne sais pas si ça va avoir une augmentation, mais ça va donner carte blanche à certains d'en utiliser, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait si c'était pas, si c'était plus pénalisé. Mm-hmm. Oui, justement, on en parlait à San Francisco. Vous avez dans la rue, vous avez des personnes de la mairie partout qui ont des espèces de pchites nasaux à donner aux gens qui font des overdoses dans la rue. Une fois qu'on en est là, c'est ce genre de choses, de gens-là qui peuvent les aider. Mm-hmm. Maintenant, il ne faut pas y arriver, quoi. Il faut réussir à bloquer avant, à mon avis. I'm not sure because I've seen it not work in other places. You know, if it is properly controlled, if there's some level of, you know, medical assistance, because abuse can happen. If there's some level of assistance to get off the drugs, that might be interesting. But I think that there can be a negative effect there. But I don't want to limit people's ability to enjoy themselves or recreationally. But I don't think there's enough data to actually show what the good that's going to come out of it. I don't think it's going to help. Why do you think we have cactus? Mm-hmm. Justin Trudeau put cactus, mm-hmm. SQDC. Why do you think? No, they want to eliminate our people who are Canadian Quebecois citizens, especially First Nation. Because it's our home and native land. No more flights from Vancouver or Edmonton to Montreal Trudeau Airport. That's what they should do. I'm talking about Vancouver and Edmonton, who are the ones who's bringing all the fentanyl in the street. You're gonna get I'm just doing my job, okay? Not here. Yeah, but I'm talking about confirmation. Please. You want me to call 911 on you? Yeah, sure. Because I will tell them that you got me in your video. You're going to get yourself in trouble. Yes, call all the police you want. Look at this rebel news. You just violated sacred law. Even if the police arrive, I will tell them you got me on the video. Can you please? This is native land, motherfucker! That's Montreal! This is that. There is huge problem happening not only in Quebec, in Toronto, Ontario, and also British Columbia, a little bit everywhere across Canada, regarding not only opioid, but drug crisis. We want to fix our city. We want to send a strong message to the government in place. So you can sign our petition at fixourcities.com. On this website, you can sign it, you can share it, make your voices heard. Go over fixourcities.com.